Salut tout le monde, on se retrouve sur Another Crab. Crab Treasure. Ou en français, Another Crab Treasure. On va continuer notre aventure, notre épopée. C'est parti, on avait battu la reine. La duchesse de merde qui nous aura bien fait chier tout le long. On est avec notre noix de coco. Ouais, c'est ça, elle recule. Mais non, mais pourquoi tu t'es agrippé? C'est ça, elle respecte mon autorité. Alors, du coup, j'ai fait en fait. Y a pas. La reine s'est fait. Y a pas un boss qu'on avait croisé, qu'on n'avait pas fait. Yonosei. Ok. Spider-Man. Wouhou! Hop, tu bâtard. Sais pas pourquoi il était agacé, mon petit crabe, il était agacé. J'ai failli faire la connerie. Donc, l'espèce d'Ikunas, on avait fait. Ah merde! Oh. Ah merde! J'ai eu peur, j'ai crevé. Alors, les gars, on va pas très bien, hein? Ok. Et notre huissier véreux. Ah, j'ai esquivé. Comment on fait déjà? Il m'a jeté dans le poison, le bâtard. J'ai un coup de pince dans ta face. Vas-y, viens, toi, viens. Non, ce n'est pas ça. Alors, attends. Est-ce que je peux. Il va venir maintenant, lui? Allez, viens, viens. Allez, dégage, respecte mon autorité, enculé. Donc, merci pour l'haricot. Voyons voir. Ok, donc c'est. Ok, si j'appuie trop longtemps sur E, ça se jette. Quoi? C'est passé quoi là? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé la banane ou. Hop! La note que moi j'aime bien, c'est lent, mais voilà, il y a de la protection. Il y a de la protection. Donc. Allons-y, escaladons ce tas de trucs. Hop! Hop! C'est contre que je lui ai mis dans la gueule. Il a rien compris, le Garen. Ah, mais. Hein?
Ok. Moi, c'était le bas que je voulais voir. Tout ça, on a déjà vu là. Le tout, c'est de... Ah, il a quel... Hein? What? J'ai passé dans le décor. Ah, t'es sérieux? Il m'a fait passer dans le décor. Bing! Allez, rentre chez ta crabeuse. Ouvrir. Oh! L'autre là-bas, hein, on lui a dû éclater la gueule. Ça sert à rien du tout de s'acharner sur elle. Quoique. Quoique. Oh, allez, hey, vous savez quoi? On va y aller. Allez, on y va. Bon. Ah, bah non, mais elle est pas là. Ah, bah elle est pas là. Bah, allons par là alors, une porte qui vient de s'ouvrir là. Comme de par magie. Pourquoi? Je ne sais, mais bon, allons-y. Hop. Et on éclate toutes les statues, on est comme ça, nous on est un vandale. Vas-y, je respecte pas l'autorité. What? Oh petit bâtard. Ok, on est au-dessus du royaume. Ça tombe bien, c'est pile l'endroit où je me demandais si on pouvait aller. S'il n'y avait pas des trucs à ramasser. Mais apparemment, il y a un balcon là. C'est un balcon. On est d'accord que ça donne accès à rien, ça. Ding, ding. Bon bah... C'est par là. Je sais pas pourquoi. Il y a pas un truc qui va tomber là du ciel Non? Ok. Ok. Vas-y, Naru. Krabuto. Tiens donc. Putain, mais ouais, c'est pas bon, ça sert le coup. Est-ce que je m'égare encore? Hop là. Relique inoxydable. Un morceau de métal à travailler. Quelqu'un saura peut-être la transformer en objet utile. Tu m'en diras tant. Ah, on respawn là-bas. Lisière du récif. Mais je vois qu'il y a une armure. J'ai une coquille du moins. Alors, coquille. Bout. Ça fait quoi? Je vais tuer. Ok. Je vais récupérer ma noix de coco. Allons voir ça là-dedans. Là. Pas, on n'a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre.
Allez, on calte. Hop, ok. Donc bon, allez, on va avancer. Oh, ça a l'air tendu ici, hein. Je dis ce jeu. Faut pas aller. Légère. Oh, comment je l'ai renvoyé, Valdin. Oh, je l'ai pas vu venir du douceur, là. Je l'ai envoyé dans le ciel, il est revenu derrière moi, cet enfoiré. Ah ouais. Ouais, d'accord. Je chose quoi, là. Ça. Ah, ça. What? Eh, hey, tu vas te détendre. Faut détendre l'hippocampe, là. Hein. Il est malade, lui. Il jette des tic-tac. Waouh! Il a fait une balancée dans le vide. C'est quoi ce bordel? Il jette des sortes de tic-tac de merde qui gonflent. Allez, on va pas prendre de risque, on va manger un coup. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc cette surpergérie? Un poisson globe? Viens, viens. Oh le petit bâtard. Mais si. Oh tu me chauffes. Oh tu me chauffes. Il est dur à viser, ce bâtard. Allez. Il s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Ok. Quand... Wow, wow, wow. Oh, mon ami. Yeah. What a... What a... J'étais zlatané. Ah ouais, elle m'a pété ma coquille. Tiens, dégale. Pourriture. Elle m'a éclaté ma coquille. Hop, vas-y, on va passer là-dessus. T'en... Oh, y'a rien là-dedans. Comment je peux faire? Alors attends. Si je prends ça, ça, ça fait quoi ça? Ok, c'est juste ça. Ouais, un coup et ma coquille, ciao, bye bye. Tiens, attends. Y'a un truc. Mais je peux plus remonter là. Ah, peut-être par là. Voilà. C'est là-dessus. De toute façon, le chapeau, là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait, le chapeau, je m'en rappelle. Mais c'est pas grave. Allons-y, on va se tarner la gueule. C'est vrai que je peux faire des esquives en sautant, maintenant. Alors... Ah, il y a un hameçon, là. Attends, l'éponge va me jeter... Ah bah, va me jeter un hameçon. T'es où? Ah non, pas du tout. Ah! Oh, les bâtards! Hop, y'en a un en moins. Oui, si, si. Ah
foiré. Des coudres, merci. Ah, ça me paraît. T'es costaud, lui. Avec son lance, là, ça... Son harpon, là. Bref. Voilà, lui, je me méfie, lui. Il jette des merdes qui gont. Des éponges. Ouais, c'est ça, il jette des éponges, le petit enfoiré. Vas-y, hein. Ah, merde, c'est parce que je voulais ouvrir. Je peux pas le ramener à moi. Attends, j'arrive. Laisse-moi le temps de regarder, là. C'est qu'en plus, il a de la portée, le con. Alors, ça, il n'y a pas de pouvoir là-dessus. Ok. Oh, la poirée. Ah. Le pourriture communiste de la merde. La pourriture. Dégage. Saloperie. Oh, c'est une canette pourrie. On va se bouffer un petit haricot. Hop là. Non, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Ah oui, non, ça fait la fourreuse. Ça, c'est... Qu'est-ce que je m'emmerde? Avec ma fourchette. Et un mec là-haut, là-bas, il a l'air... Oh, il n'y a pas intérêt. C'est bon. On est bon. Attends. Bah, je suis obligé de toute façon. Hop, merci. On descend ça. Ça s'est fait exprès au cas où. Au cas où je tombe. Tentative numéro 2. Oh, c'est bon. On est bon. Hop, on va par là. Ah, mais je me suis protégé. Ah, mais l'éponge, c'est redoutable, hein. C'est dangereux, hein. Vas-y, tu vas me le faire direct. Dégage. Ah, c'est redoutable, l'éponge, hein. Hop. Il va me faire chier, lui. Il va me faire chier, l'autre, avec son truc-là. Avec ses éponges de merde. Faut que je leur laisse le temps de taper. Bah, heureusement qu'il y avait la plateforme. Attends, il y a un haricot là. Hop, merci. Et là, c'est quoi, ça? Ouh, doucement. Bien. Ah. Oh, toi, tu me chauffes, toi.
Les éponges là, c'est trop violent. Hein. On a bougé ça ou je peux sauter là? Ok. Un cristal là-bas. Ah, c'est pour mon mini là. Mon humanie. Il y a un cristal qui est là-bas. Je peux remonter. Là-bas, il y a une éponge. Là, on va voir ici. C'est quoi ces trucs là? Il n'y a rien à faire avec ça? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que. J'allais voir ces deux crabes. Hein? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, on est d'accord, hein. C'est deux crabes de merde qui sont juste stationnés sur une plateforme de merde et qui sont comme des cons. Bon. Ok, que là tout va bien. Il le saute la tête. Là, je vais jamais atteindre l'éponge là. Pas de crochet. Ah, le petit bâtard. Prévisible hein. Une coquille là. Alors, vas-y, on va chercher ça déjà. J'ai le cul à l'air là. Là j'ai le cul à l'air. Oh tiens, une coquille balle de tennis. Tout. Eh bonjour l'ami, est-ce que tu aimes foncer? Non, j'ai horreur de ça. Ce n'est pas ton genre de chance alors. Parce que tu vas devoir aller extrêmement vite pour passer cette rampe. Tu n'y arriveras pas en marchant, ni en trottinant d'ailleurs, ça non. D'accord. Heureusement, je suis là pour toi. Je suis Boblo, quintuple champion de la Ligue des gastéropodes de course à ton service. Les gastéropodes vont si vite qu'on a dû créer notre propre ligue. Si vous le dites, je vais t'apprendre à aller si vite que les antennes de ta grand-mère vont vibrer dans sa tombe. Sauf si elle est toujours en vie, pardon. Quoi qu'il en soit, j'ai manqué de tact. Mais crois-moi, cette technique risque de t'arracher les bronchies. De te faire sécher dans ton exosquelette même sous l'eau. De te faire bouillir dans ta coquille si tu n'es pas présent. Le pire, c'est que tu risques de te transformer en démon de la vitesse, incapable d'aligner deux mots à une vitesse normale. Es-tu prêt à accepter ces risques? Beaucoup pensent l'être, mais avant même de s'en rendre compte, bam, ils deviennent accro à la vitesse. C'est arrivé à plein de bons gars hein, que je connaissais. Je te le demande une dernière fois, es-tu prêt? Ouais, pourquoi pas. Bah, en gros, tu vas foncer vers la rampe, puis appuyer sur la touche de blocage. La rampe. Quoi, c'est ça que t'appelles la rampe, là? Ah, ok. Ah ouais? Hop là, tic well. Bon à la con, moi je pensais que j'allais sauter tout seul avec la vitesse, tu vois. Bah non. On va voir, est-ce qu'on a des trucs? On a un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
On a combien? 2 points. 2 points, 2 points. On va faire ça et ça. The world's Buddha. Ok. C'est tout, hein. Y'a personne? Et qu'est-ce que ça fait? Ah, ok, une amie, ça m'a fait speeder! L'humani, bref, la compétence spéciale, quoi. Ouais, des fois, la vue, ça part en freestyle. Laissez-moi tranquille. On se parle. Encore une rampe. La musique est coupée. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un boss qui va arriver. Une nouvelle coquille. Nouvelle Kersinia. Il dort. Bah, on va le laisser dormir alors. Est-ce une chose récupérée? Oh. Je retais un truc. Oh. Il y a un diapo, c'est diapo de quoi? Des chats. Que des chats. Un chat. Ok. C'est chouette de voir une nouvelle tête en ville. Et on est juste avant le jour des ordures en plus. J'ai l'impression qu'il parle de moi les ordures. C'est quoi le jour des ordures? Oh là là, il ne connaît pas le jour des ordures. Je vais pas te gâcher la surprise, tu le sauras bien assez tôt. Ok, ok. Et voilà la longue et complexe histoire de la route commerciale qui relie l'État à la nouvelle Kersinia. Waouh, j'ai bien fait de rester pour apprendre tout ça. Merci, tonton Adi. Ok. Mais ça, on peut rentrer là-dedans? Non. Ah, mais. C'est moi tranquille. Y'a quelqu'un là-haut? Bonjour, toi. Bonjour, madame. Tu viens de l'État? Ce pont est normalement réservé aux marchands, aux soldats et aux nobles, et tu n'as l'air de faire partie d'aucune de ces trois catégories, mon chou. À moins que tu sois l'un de ces nouveaux riches et préfères cacher nos richesses. Hop, c'est passionnant. À quoi ressemble la cour de la duchesse? Est-ce qu'elle est aussi belle qu'on le dit? Oui, oui, elle était enfin. Elle est très belle. Tu n'es pas trop mal non plus, mon petit noble. Ça te dit de venir chez moi? Passez bonne journée, madame. Cet endroit est immense. T'es tout amoureux du panorama de notre belle ville. Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de semblable. Tu devrais aller l'explorer, mais je te conseille de rester dans les hauteurs. Tu risques de croiser des individus peu recommandables sur le plancher océanique. Bienvenue à la nouvelle Kersinia. Un havre civilisé au cœur de la violence des sables du milieu. Un témoignage de la puissance de notre industrie. La ville des rêves, la grosse conque.
le pilier central de l'économie des ordures sans laquelle la société des crustacés s'effondrerait. Comment je me suis retrouvé dans cette conversation, moi? Tu veux connaître mon nom? Je suis Tortellini et je suis chargé d'accueillir tous les voyageurs en ville. C'est vraiment un plaisir de voir deux nouvelles têtes dans une même journée. C'est beaucoup. Pas du tout, d'habitude j'en croise 20-30. Alors pourquoi attendez-vous Attendez, vous avez bien dit deux. L'autre ne serait pas un requin transportant la coquille la plus cool que je vous ai jamais vue. C'est un ami à toi? Pas du tout, je dois lui botter le derrière et récupérer ma coquille. Oh, un ennemi juré, cette journée devient de plus en plus passionnante. Je dois le rattraper avant qu'il vende ma coquille au premier venu. Vous pouvez me dire où il est allé? Aucune idée. Après avoir souhaité la bienvenue avec enthousiasme, je me suis plus préoccupé de lui. Je serais un très mauvais hôte si j'observais les personnes que j'ai déjà saluées au lieu de le tourner vers les suivants. D'accord. Dans ces cas, où est-ce que quelqu'un pourrait se rendre pour vendre une coquille? Je peux te suggérer 4 endroits. Et sûrement essayer de la vendre chez Coquette Coquille, le magasin de luxe. Il s'agit d'une vieille coquille. Il a aussi pu la proposer au conservateur du musée. Sinon, il s'est peut-être rendu au croc de la mer, le bar des bas de corail, pour l'échanger contre quelques ordures. Pour finir, c'est possible qu'il ait vendu au forgeron de la ruelle en échange de ferraille. Ah, merci beaucoup, je vais visiter ces endroits. Bonne chance, Blanchaille. J'aurais aimé te faire la visite moi-même, mais tant qu'il reste des voyageurs à saluer, mon travail n'est pas terminé. Si tu le dis. Si tu le dis, moustache. Hop. Attends, on va aller voir. Hein, c'est bon. Peut-être des trucs cachés dans la maison. Je suis en train de m'égarer là. Dollar des sables. Je suis déjà en train de m'égarer, c'est pas bon. Merde, je suis dans les bas-fonds. Et un respawn là-bas, vas-y. Hop. Allez, on respawn. On va le débloquer comme ça fait. Cours, reste. Coquille de notice trouvée. Hop. Ah, mais. Espèce de tas de merde. Mais tu m'as roulé dessus. Il est mécanique lui. Salut petit gars. C'est de la belle ferraille que tu as là. Beaucoup de potentiel. Tu es venu pour la faire briller. Avez-vous vu ma coquille? Je ne suis pas sûr de vouloir connaître la réponse, mais est-ce qu'il y a gros aucun désagréable, vous avez changé une coquille contre de la ferraille. Ça a dû vous paraître étrange parce que c'était une très très belle coquille. Ouais, il est passé, j'ai brisé cette coquille en 1000 morceaux. Quoi? C'est pas vrai? Oh, c'est vrai que j'aime les microplastiques. Non, attends, tu as dit que c'était un requin, c'est bien ça. Oublie, je me suis trompé. J'ai vu aucun requin. Mais qu'est-ce que vous avez compris? J'ai failli faire une crise cardiaque. La peine de crier, petit gars, mes oreilles fonctionnent. La faire briller, quoi? Ma fourchette? C'est juste un vieux déchet que j'ai trouvé dans mon quartier. Ouais, c'est un sacré beau déchet, petit gars. Apporte-moi des reliques à désoncer. Et je te montrerai de quoi ton déchet est capable. Ça pourrait être utile. Améliorer ma fourchette. Dépenser une relique inoxydable pour... Bah oui. Tadam.
Fourchette niveau 2, plus 5 d'attaque. Yeah, je vois encore. Relique, 2 reliques. J'ai combien de reliques? Ah ouais, allez, sortir. Ouch, viens voir. 25 d'attaque. Là, on a mis quoi? De la défense et de la résistance. Est-ce que j'ai un truc d'attaque? Ce serait bien l'attaque. Ouais, mais moins 3 de MCG, non merci. Ah, je peux... Ah, ok, il faut que je l'équipe pour que ça prenne effet. D'accord. 2 de résistance. C'est pour la coquille, mais j'ai pas de coquille. Ok. Bon bah du coup on est dans les bas-fonds, c'était pas du tout l'endroit où je voulais venir, mais voilà, je me suis dit, j'ai vu un truc qui brillait et il a fallu que j'y aille. Et c'est comme ça, et voilà, tu vois des trucs et tu... Et t'y vas. Et ouais, voilà, égaré. Je ne vis pas loin de la grande place, alors je peux me rendre dans les hauts 3 fois par semaine, j'ai presque l'impression d'y vivre. Ouais d'accord, si tu le dis chérie. Ah, il y a un truc là. Vert. Hop. Docteur a dit que je pourrais reprendre le travail si je ne crache plus de sang. Ah ouais, c'est encourageant. Pour la dernière fois, Isla, le coupe-coupe, ce n'est pas un plan. Mais maman... Ils s'en prennent à deux rats. Et coucou, ça marche à tous les coups. Dis-lui, Id. Tu sais, Isla, ta mère n'a pas tort. Deux rats ont affaire à des crustacés qui ne se laisseront pas si facilement. Facilement avoir avec le coupe-coupe. Ok. Et ça, c'est un truc pour. Pourquoi il y aura un truc pour monter? Y aurait-il quelque chose à choper dans le balcon? Hop là! Non! Ah! Que vois-je? Que vois-je? Ouh, c'était limite. Une patelle! Et un autre truc, je crois que c'est au-dessus. Hop! Une éponge! Léon! Ah ouais! Ah, ça me ramène en ville, intéressant. C'est bon à savoir. Il est où l'autre truc là? Il y avait ça. Ah, il est là. À moi, à tous les déchets plastiques. Hop, il y a un autre truc là-bas. Donc, pour ce truc là, ben, on va aller sur l'éponge. Bang! Oh, un oursin. Oh là, attention! Ne fais pas un pas de plus, mon pote! Garde tes distances! Pourquoi? T'as de la face dans les yeux ou quoi, mon pote? Tu vois pas ce que je suis? Je suis le genre de mec à blesser tout ce qui je touche. Oh! Je suis sûr que vous exagérez. À mon avis, vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne à qui démontrer votre affection. Je peux vous faire un câlin, ça vous aidera peut-être à vous ouvrir aux autres. Ma parole, t'es vraiment un drôle de spécimen, toi. Écoute, mon conseil, va-t'en, d'accord? Ok. Peut plus être courtois. Hop. Limite, je sais pas si on pourra augmenter ce truc-là. Alors, un romp. Voilà. Je vois un cristal là-bas, on va y aller, après on sautera en bas.
Il y a des gens là. Je peux pas m'arrêter de penser à tous les horreurs qui ont lieu. Qui ont lieu au bosquet. Tu veux bien te concentrer un peu et manger tes algues. Algues bénédictes. Ou ces histoires me gâchent l'appétit. Tu vois ton ami là-bas? Tu ne me trouves pas super mystérieux? Celui qui se tient beaucoup trop près de nous. Mais non, pas lui, le bleu a l'air mystérieux près du bar. Oh, ne me dis pas que tu parles d'estuaire. Tilipia est sorti avec lui et a essayé de la pousser à investir dans le dollar des sables. Tu mérites mieux, Delta. Tu mérites un crustacé qui travaille dur pour te couvrir de canaux. Pourtant, il est si mystérieux. Et mystérieux. Oh, un collègue. Salut, toi, ça fait plaisir de voir à nouveau Bernard Labitte en ville. Oh, enchanté. Vous avez l'air de bonne humeur. En vérité, j'ai connu un léger revers financier récemment. J'ai dépensé un paquet de microplastiques pour me procurer des ordures rares qu'on ne trouve que dans les bas-fonds. Je comptais en tirer un petit pactole en ville, tu comprends? Seulement le pont où passe la route commerciale s'est effondré avant que j'arrive. J'ai dû abandonner ma marchandise et emprunter un autre chemin. Ça n'a pas été facile à accepter, mais un échec n'est rien d'autre qu'une opportunité. Je pense que je vais me faire payer le passage sur la route que j'ai découvert. Eh oui, j'ai du niveau. Toujours en train de réfléchir, toujours en train de m'adapter. Un investisseur astucieux ne met jamais toutes ses coquilles dans la même. Il ne sait jamais tous ses arrière-trains dans la même coquille. C'est mon but dans la vie. Mettre des arrière-trains dans des coquilles. Plus précisément, mon arrière-train à moi. Et encore plus précisément, dans la plus classe, la plus clinquante, la plus impressionnante des coquilles. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. Un amateur de coquilles, gamin. C'est ça la vie du Bernard Labitte. Je suis toujours à la recherche d'une meilleure coquille que la précédente. Si tu es malin, alors tu en feras de même. Un océan d'opportunités pourra s'offrir à toi, tu sais. Ok, Gaston. Là, tu vois? Là, je peux pas m'asseoir. Il y a des bouchons comme ça un peu partout, à droite à gauche. Tu peux t'asseoir, mais là, non. Alors que ça aurait été cool de pouvoir s'asseoir à la terrasse. Là, hop, et... Alors, il est où le bâtiment? Il est là. Merci. Et que vois-je là-bas? Il y a une coquille au-dessus du forain, du forgeron. Il y a un truc ici, ok. Allons-y. Sans tomber. Ça serait bien. Ah, c'est une caisse à outils, j'avais pas fait gaffe. Hop là. Clou rouillé. Doux. Ah, ok. Prochain jour des ordures s'annonce fructueux pour Bibi. L'hôtel s'est rempli de touristes impatients sans que j'ai besoin de lever un pouce. Une pince. Un pouce. Souvenir bidule, diversion de toute taille et qualité. Acheter à prix réduit avant le rapprochement du jour des ordures. Ok. Ah, comme j'aime me promener matinal, ma promenade matinale autour de la grande place de la nouvelle Carcia. Et c'est moi, Bartleby, fond de la mer. Bartleby, fond de la mer, qui le dit. Ok, Bartleby. Les futures des ordures s'annoncent radieux. Il y en a tellement que je ne pourrais me noyer dedans. Le marché a évolué. Il évolue à une vitesse prodigieuse. Je ne comprends pas comment le crustacé pourrait manquer une occasion pareille. Ah, il y a un respawn là-bas. Il y a des respawns partout. Merci bien. Eh,
Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le temps de t'accorder, je suis accusé à ses affaires, très occupé à faire des affaires. Oh, pardon, j'avais l'impression que vous ne faisiez rien. Ce qui prouve que tu ne connais rien au monde des affaires. Ça doit être ça. En fait, je regardais la balle de tennis, elle est plutôt propre. Hein. Alors. Ah, je peux pas. Bah non, dommage. J'ai vu un mec à qui... Balabli-bobo. Alors. Les bas-fonds. On avait vu un cristal sur un bateau. Mais on va fouiller d'abord là-haut. Mais avant ça... truc intéressant là. Allons voir madame la méduse coquiportation le domaine de Natis. Plus généreuse que jamais, le noble Natis accorde de nouveaux pouvoirs à son protégé. Apprendre des compétences. On va apprendre ça. Appuyez sur E pour lancer votre fourchette sur les ennemis et les attirer au prix d'un hameçon hardi. Attention, les créatures de plus grand âge ne se laisseront pas faire. Ah ouais, il faut... Ah ouais. Un truc à utiliser tout le temps, quoi. Vas-y, on va le prendre. L'avancée la plus terrifiante que puissant. Que puissant connaître la capacité d'un prédateur et l'utilisation d'outils. Transcender les limites de son propre corps et d'avancer son évolution physique. Ces chasseurs inspirent une peur incommensurable et leur proie. Parfait, parfait, ça va être nickel pour les mobs de loin là, qui me cassent les couilles et que je peux pas venir parce qu'ils lancent des éponges de merde ou autre connerie du style. Alors il dit des fils. Ça me consomme un fil de je sais pas quoi là. Ça, là, un fil de pêche, je vous le dis, ça, ça va se balancer d'un endroit à l'autre ou en bref à côté d'un adversaire. Ah, mais j'en ai qu'un. Si j'attire un mob et que j'en. Je l'ai plus, ça va pas le faire. Les environs de la ville ou de Corral. Ils sont à la place directe, quoi que ouais, j'aurais peut-être pu aller dès l'entrée pour commencer à fouiller. Mais où est-ce que je vois ma collection là, je pas... Ah ok, j'ai deux trucs. J'en ai que deux.
Et bah. Sur ce, on va laisser cela. On se retrouvera pour la suite la prochaine fois. En attendant, je vous dis ciao, bye bye.